Parmi les 8 présumés criminels arrêtés par la police à Arou et acheminés à Bounia, 13 sont cités dans les mains de 13 civils sont passés aux AV. Tobomaka. Au bateau, Tobomi 13 personnes. Katakamoto. Oui, Kingamoto. Machete. Bateau, Yotozo Bomabango. Nalo sur la vérité, Zanakati Nangai. Les 5 autres, dont un Ougandais arrêté avec 2 armes, munitions et chargeurs, sont poursuivis pour tentative de meurtre et trafic d'explosifs à la frontière congolo-ougandaise. Le porte-parole de FARDC en Ituri, le lieutenant Jules Ngongo, revient sur les circonstances de leur arrestation. 8 criminels au total, auteurs de plusieurs tueries dans le territoire d'Arou. Ils ont été arrêtés à Riwara. Par la même occasion, le lieutenant Jules Ngongo appelle la population à renforcer la collaboration avec les services de sécurité. Il est impérieux pour toute la population de croire encore et de continuer à croire aux actions des forces armées de la République démocratique du Congo, mais aussi des forces de défense et de sécurité en Ituri. Il s'y est de signaler que l'état de siège décrété en Ituri par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, produit de plus en plus des résultats probants dans la traque de bandits armés, mais aussi dans la protection des personnes et de leurs biens.